Bonjour tout le monde, bonne année 2024, bonne fête de fin d'année si vous avez passé Noël également. Petit bilan Artois Smash sur l'année 2023, on a eu pas mal de choses qui se sont déroulées. On a eu 23 tournois sur l'année, 23 tournois off. Il y a eu Grenet, la Katsuski, la Pop Geek également, le Météor, et également les bagarres brassées que vous aimez énormément, j'espère, et qui du coup sont remplies en majorité à 95% des cas. On a eu également une petite coupure au niveau de l'association de juin à septembre, mais on a une bonne reprise là, depuis septembre sur l'association, et on souhaitait faire un petit bilan, histoire de clarifier et de se projeter du coup pour l'année 2024. Également, on a réalisé du coup notre premier tournoi Smash for Téléthon, qui a été du coup le meilleur tournoi qu'on a réalisé de notre vie, qui du coup avait pour but de récolter des dons pour le Téléthon en faveur des enfants porteurs de maladies rares et de handicap. Et on a récolté 752 €. Ce qui est pour nous énorme à notre échelle. À ces dons, ça accompagne du coup des donation goals qu'on va réaliser sur l'année 2024. Dont une qui est plutôt pas mal, celle où on va se rendre en weekly à vélo. Et ce sera sous format vlog, du coup on a hâte de vous montrer ça et d'autres choses qui arriveront, mais suivez nos réseaux sociaux et vous serez tenus au courant et vous le verrez. Au jour d'aujourd'hui, du coup, on est actuellement 15 dans l'association, 3 personnes qui font partie du bureau et 12 personnes bénévoles. On a des monteurs, photographes, des community managers, on a également des TIO pour encadrer les tournois. Aujourd'hui, du coup, on a pas mal de projets qui vont arriver avec l'association Artois Smash d'ici 2024. Alors, en premier lieu, on va pouvoir parler de la Monstly qui arrive chez Artois Smash, donc El Torneo de los Locos. Pour certains, c'était un tournoi exceptionnel pour la semaine mondiale du jeu vidéo. Vu que ce tournoi avait pas mal plu, on passe officiellement en Monstly à partir du 7 janvier. Et tous les premiers dimanches de chaque mois, vous aurez le tournoi El Torneo de los Locos qui sera disponible. Également, on maintient les bagarres brassées. Pour les bagarres brassées, cependant, il y a un petit changement. Au lieu qu'on ait 4 tournois par mois, vous aurez désormais 3 tournois et la dernière semaine, ce sera une session free-play. Et également, les bagarres brassées passeront payantes, car vous le savez, l'association a des fonds, elle a besoin de fonds, elle a besoin d'économie pour vivre. Forcément, on a des frais bancaires, on a des frais d'association. Et ces tournois passeront du coup à 1 € d'inscription, ce qui est plutôt raisonnable. On me dirait. Le 9 et 10 mars, on peut également vous l'annoncer, il y aura une convention qui sera organisée par Artois Smash, une convention manga, pop culture, avec un tournoi Smash dedans. On a été du coup convié par nos partenaires de l'Oisinor pour organiser cet événement, et on espère du coup vous voir nombreux. Ce sera un tournoi du coup de 48 joueurs à côté d'une piste de ski, donc vous pourrez jouer également, faire un petit tour de piste de ski pendant le tournoi. Ensuite, on a également un gros tournoi qui arrive, organisé par Artois Smash, un 128 joueurs, du nom de Frimapic, on peut enfin officialiser le nom. Le samedi 26 octobre 2024, du coup ce sera 128 joueurs. Ensuite, vous avez peut-être pu le voir, on a organisé notre premier tournoi League of Legends en ligne, qui s'appelait La Fosse, qui a réuni une vingtaine de joueurs. Alors, faut savoir que ce tournoi, c'était une première pour nous, et ces tournois vont devenir récurrents désormais. On souhaite tout doucement se développer sur d'autres jeux, parce que Smash, c'est très bien, mais il y a d'autres jeux qui nous font de l'œil. On a du Tekken, on a du Street Fighter, on a Rivals of Zizer aussi, qui arrive prochainement. On a League of Legends, on a TFT. Ben, pas mal de jeux, et l'association, du coup, souhaite se développer sur ces jeux-là. Et tout doucement, on va s'écarter de Smash. Bien entendu, Smash restera toujours présent, mais il y aura une annexe. Il y aura une annexe. On souhaite vraiment passer sur du multigaming et pas rester focalisé sur juste du Smash constant. Également pour l'année 2024, on va développer toute la partie merch de l'association. On est actuellement en train de travailler sur des vêtements. Donc à l'avenir, vous aurez certainement la possibilité de pouvoir acheter des t-shirts, des hoodies ou d'autres goodies Artois Smash. Mais tout ça, ça arrivera sur l'année 2024. On espère que ça vous plaira et que vous serez nombreux à arborer ces vêtements pendant vos tournois. Également, au niveau de l'association Artois Smash, on a un gros projet majeur qui va être réalisé sur l'année 2024. On a un projet intergénérationnel qui va être fait. En quoi ça va consister? Donc, on va avoir des ateliers en utilisant le jeu vidéo comme support qui vont se réaliser à partir du 26 avril 2024 au sein du CCAS de Béthune, qui est notre partenaire. L'objectif de ces ateliers, du coup, c'est travailler avec la jeunesse, leur faire découvrir des métiers de l'animation, du social avec des seniors, mais également, aux côtés des seniors, les amener à travailler sur le bien-être en bougeant avec des jeux vidéo tels que Just Dance,
Wii Bowling, Ring Fit, etc. Mais également travailler tous les aspects, tout ce qui est fracture numérique, l'isolement sur lequel on va lutter. Qui dit intergénérationnel, on a également le public jeunesse avec lequel on va travailler en utilisant toujours le jeu vidéo comme support. Donc on va travailler tous les aspects de la recherche d'emploi, la recherche de logement, la mobilité, etc. Du coup, pour pouvoir aider cette jeunesse qui, dans notre secteur, a pas mal de difficultés à pouvoir trouver un emploi, à pouvoir se déplacer. Et pour ça, on souhaiterait travailler ces aspects-là également sur l'année 2024. Également, l'association, avec son développement et ses multiples activités qui arrivent, va être obligée de faire un recrutement prochainement. Mais pour ces postes, on vous les dévoilera pas maintenant. On pourrait avoir la surprise dès l'année 2024. On espère du coup voir nombreux dans nos DM pour pouvoir nous aider et participer avec nous à cette aventure. On a également une grosse nouvelle au niveau de l'association Artois Smash. On va avoir un joueur qui va être sponsorisé sous nos couleurs. Et ce joueur, vous le connaissez peut-être, c'est un joueur de Wario, et c'est Pic-Pic. Pic-Pic va rejoindre officiellement l'association en tant que joueur sponsorisé. Donc on l'encadrera au niveau des déplacements, au niveau du défraiement des tournois, et également on le poussera à pouvoir se développer, à progresser avec du coaching, etc. Mais tout ça, ça arrivera sur l'année 2024, et on espère que l'annonce vous plaira et que vous aurez l'occasion de rencontrer Pic-Pic pendant vos tournois. On espère que toutes ces annonces, toutes ces choses qui arriveront sur l'année 2024 vous plairont. Vous pourrez également, si vous le souhaitez, soutenir l'association par le biais d'adhésions qui seront disponibles dès début 2024 ou par le biais de dons sur HelloAsso. Vous pouvez aussi simplement follow notre page, nous suivre pendant nos tournois et nos actions. Ça nous fera suffisamment de soutien et on espère vous voir nombreux pendant nos tournois sur l'année 2024 et sur tous nos projets. Et je vous dis à bientôt. Bonne année !